Après ma vidéo théorie sur Charbitre, il est maintenant temps de voir un petit peu ensemble ce qu'il en est des Inklings adultes. Alors c'est un peu un fait établi, les Inklings que l'on joue dans le jeu ont 14 ans. On a appris durant l'un des premiers Nintendo Direct sur le jeu que c'est l'âge auquel les calamars arrivent à maîtriser leur transformation humaine, et donc c'est l'âge des personnages du jeu. Les Inklings ont 14 ans donc, on peut supposer que Ayo et Oli soient un peu plus âgées, notamment parce qu'elles apparaissent dans un parchemin étant plus jeunes, qui dit qu'elles ont gagné un concours. Elles apparaissent plus jeunes, mais du coup si elles sont déjà sous forme humaine, c'est qu'elles ont déjà 14 ans à cette époque, et donc aujourd'hui elles sont sûrement un peu plus âgées. Et finalement, le seul autre personnage qui n'a pas le même âge que tout le monde et qui soit un Inkling, c'est l'amiral Macalamar. Lui, c'est un vieux, on sait pas vraiment quel âge il a, mais on peut supposer que s'il a connu la guerre et vu la gueule qu'il a, il doit avoir pas loin d'une centaine d'années facile. Mais du coup, il y a un énorme gap entre l'âge des personnages que l'on joue et l'âge du grand-père Macalamar. Où sont les autres Inklings? Et d'ailleurs, où sont les plus jeunes? Où sont ceux qui ont en dessous de 14 ans? S'ils sont effectivement que sous forme de calamar, alors très probablement ils sont avec leurs parents, mais où sont ces parents? Et dans cette vidéo, on va voir ensemble trois théories qui découlent en fait d'une logique très simple, c'est qu'à partir du moment où vous cherchez un objet dans un univers, soit cet objet est effectivement dans l'univers mais vous ne l'avez pas encore vu, soit cet objet est en dehors de l'univers, soit cet objet n'existe tout simplement pas. Mais avant, reprenons quand même les faits. D'après les premiers Nintendo Direct, on sait que les Inklings ont 14 ans, alors c'est pas vraiment une info qui a été confirmée dans le jeu, ils ont peut-être pas tous exactement 14 ans, mais en tout cas, c'est l'âge qu'on peut à peu près leur donner. On sait aussi que dans Splatoon 2, les Inklings que l'on jouera auront également 14 ans. Ce qui sous-entend que entre Splatoon 1 et Splatoon 2, ce ne sont pas les mêmes personnages que l'on joue, et donc dans Splatoon 2, on jouera avec une génération qui aura 2 ans de moins que ceux qu'on a dans Splatoon. On peut voir également, quand on allume le jeu, la chambre d'un de nos Inklings, et voir qu'ils ont en fait un appartement. Ça laisse donc sous-entendre que ces Inklings ne vivent pas en fait chez leurs parents. Comme je disais, on sait que Ayo et Oli sont un peu plus âgés. Durant les annonces, elles parlent d'ailleurs du permis de conduire et des jobs qu'elles ont déjà fait par le passé, ce qui vient donc confirmer tout ça. Mais sur certains parchemins du mode histoire, les Inklings sont représentés sous forme adulte, notamment sur les photos durant la Grande Guerre de Territoire. On voit des Inklings, mais ces Inklings ont l'air plus âgés, plus grands, et n'ont pas la carrure des Inklings du jeu. Ça laisse sous-entendre que ces Inklings sont adultes, et que dans le jeu Acromapolis, les seuls Inklings que l'on voit sont tous des enfants. La première de ces trois théories veut que les Inklings adultes soient en fait tous morts. Il s'avère que certaines espèces de calamars meurent très peu de temps après la reproduction. Le mâle meurt après l'accouplement et la femelle, elle, meurt après la ponte des œufs. Et si c'est pareil dans Splatoon, ça expliquerait pourquoi il n'y a plus aucun adulte. Mais sur cette théorie, il y a quand même quelques trucs qui clochent. Déjà, comment l'amiral Macalamar serait encore en vie? On sait que les Squid Sisters sont ses petites filles, du coup il a eu une descendance, et ça voudrait dire qu'il serait supposé mort. Pourtant, c'est pas le cas. L'autre problème, c'est que si effectivement dans Splatoon 2, les Inklings sont une génération différente de ceux de Splatoon 1, alors d'où viennent-ils? Ça laisse sous-entendre qu'il y a plusieurs générations d'Inklings, et donc où sont les autres générations? Notamment, où sont les générations plus âgées? Et l'autre point qui vient contredire cette théorie, c'est finalement les derniers événements qu'on a appris sur Splatoon 2, notamment dans la vie des Calamazones, où il nous raconte que Oli va rendre visite à ses parents, et donc que ses parents ne sont effectivement pas morts. Alors on pourrait supposer que seuls les parents d'Ayo et Oli ne soient pas morts, mais c'est quand même un petit peu gros, et donc ça met à mal cette théorie. Cela dit, on peut se dire qu'une grande partie des adultes sont morts durant la Grande Guerre de Territoire. On sait que la guerre a été très dure entre les Inklings et les Octariens, et que possiblement beaucoup d'adultes sont morts au combat. Mais tous les adultes ne sont pas morts, on a bien vu des photos avec des Inklings fêtant la victoire, des Inklings adultes, et donc il devrait quand même y en avoir dans le monde de Splatoon. Si effectivement les adultes existent, soit ils sont avec nous dans Chromapolis, soit ils ne le sont pas. Deuxième théorie donc, les adultes sont dans Chromapolis, mais on ne les a pas encore trouvés. Après tout, il est tout à fait possible que dans Chromapolis, il y ait effectivement des adultes, mais qu'on ne les croise jamais. La place de Chromapolis peut être un peu un lieu spécialement conçu pour les jeunes, et du coup on n'y croise aucun adulte. Mais ce qui est étrange, c'est que sur toutes les arènes que l'on croise, on ne voit aussi personne. On pourrait se dire, bon bah ok, on croise des voitures et des avions, possiblement ce sont des Inklings adultes qui les conduisent. Mais si on compare un peu tout ça à comment les choses nous sont présentées, il est quand même plus fort probable que ce soit les méduses qui conduisent tout ça et qui vivent avec nous, plutôt que des adultes. On peut par exemple voir sur la map Tour Jirel des parkings avec des voitures, et ce sont pas des adultes Inklings qui traînent à côté des voitures, mais bel et bien des méduses. Ça laisse sous-entendre que les méduses peuvent conduire, et probablement que toutes les voitures que l'on voit passer sont en fait conduites par les méduses.
Les méduses, elles sont partout, elles. On les croise à chaque coin de rue, sur toutes les arènes, et en fait, on vit en symbiose avec elles. Donc c'est plutôt fort probable que ça soit en fait elles qui conduisent les véhicules que l'on voit dans le jeu. Et puis, si les parents étaient effectivement avec nous mais qu'on ne les voyait pas, alors pourquoi les Inklings habiteraient seuls? Alors vous me direz, on n'est pas sûr qu'ils habitent seuls. Certes, mais sur l'image, on peut voir qu'ils ont une chambre, avec un accès à une deuxième pièce qui est très certainement une salle d'eau, salle de bain, toilette, et ça fait très architecture d'internat ou de cité universitaire, là où des jeunes ont une chambre pour eux, et ils partagent les salles communes du style cuisine, salon, avec d'autres personnes. Et ça, c'est très spécifique à la vie des jeunes, et finalement pas tellement aux adultes. D'ailleurs, posez-vous la question, parmi vous, si vous habitez chez vos parents, je ne pense pas que vous ayez des toilettes et une salle de bain dans votre chambre. C'est toujours possible évidemment, mais c'est quand même pas très répandu. Du coup, ça laisse sous-entendre que tous les jeunes vivent en fait tout seuls, probablement dans des internats, dans des CTU, ou en tout cas, tous les jeunes vivent ensemble, et qu'ils ne vivent pas avec leurs parents. Et on en vient donc à la troisième théorie, c'est que les parents seraient en fait en dehors de Chromapolis. Et d'ailleurs, cette théorie trouve son argument également dans la vie des Kalamazones, où Oli rend visite à ses parents à la campagne, dans la région de Kalamar. Cette région d'ailleurs nous était déjà mentionnée dans l'un des parchemins. C'est une région éloignée, à 3h30 de train de Chromapolis, d'après ce que l'on sait, et c'est finalement un peu comme si Chromapolis était une ville pour les jeunes, tandis que les adultes, eux, vivaient à la campagne. Alors le pourquoi du comment n'est pas très explicite. Et on peut imaginer des tas de choses, mais sûrement la chose la plus crédible serait que Chromapolis serait en fait un énorme camp dans lequel seraient envoyés tous les Inklings à 14 ans pour y apprendre les rudiments de la guerre. Vous vous rendez bien compte que toutes les activités sont liées à la bataille, notamment aux guerres de territoire. Les Inklings passent leur temps à ça, ils sont encouragés à faire ça, il y a des vendeurs d'armes, des vendeurs d'équipements, il y a un arbitre dédié, et lors des événements organisés par Ayo et Oli, ce sont des splatfests, des festivals qui nous incitent encore et toujours à nous battre entre nous. Et si finalement, Chromapolis n'était pas un camp qui nous entraînait à affronter les Octariens? Makalamar pourrait très bien être à l'origine de ce camp, on sait qu'il a été amiral pendant la guerre, qu'il s'est battu contre les Octariens à maintes reprises, on peut très bien imaginer qu'il ait organisé tout ceci pour entraîner les jeunes générations à se battre entre elles, pour un jour être à la hauteur de la puissance de combat des Octariens. Bon bien sûr, là on tombe un petit peu dans la théorie du complot, reptiliens, Illuminati, tout ça, mais admettez que c'est crédible, il n'y a aucun adulte, on nous pousse à nous entraîner constamment, et on vit dans une ville finalement qui est contrôlée un petit peu par les méduses. Alors ok, elles ne parlent pas, mais c'est elles qui conduisent les voitures, les trains, on peut supposer qu'elles sont ici pour veiller sur nous et vérifier que tout se passe bien dans la vie de tous les jours. Tandis que nous, jeunes Inklings, passons notre temps à nous battre sans se préoccuper de rien d'autre. Et les adultes, ceux que l'on voit sur les parchemins, qui ont effectivement fait la grande guerre de territoire, eux sont à la campagne. On sait pas grand chose de leur mode de vie, mais on a pu voir d'après les photos qui globalement nous ressemblent, mais en un peu plus grand. Il est d'ailleurs intéressant de voir que sur tous les parchemins, les yeux des Inklings adultes sont masqués, soit par des casquettes qui font de l'ombre sur leurs yeux, soit sur d'autres parchemins c'est carrément un autocollant qui est collé par-dessus le visage de l'Inkling. Bref, il y a un petit mystère là-dessus, comme si le jeu ne voulait pas nous expliquer à quoi ressemblaient les adultes. Bref, à mes yeux, c'est cette théorie qui a le plus de sens. Les adultes sont effectivement en dehors de Chromapolis. De là à dire que Chromapolis est effectivement un camp réservé aux enfants, il n'y a qu'un pas. Est-ce pour apprendre les rudiments de la guerre? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une idée assez intéressante qui nous fait voir Splatoon avec un œil tout nouveau et qui nous permet d'analyser les événements du jeu avec une vision différente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire en laissant votre code ami pour le tirage au sort. Vous pouvez aussi m'encourager en mettant un like et en la partageant. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut !